Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 au sommaire. Ce soir, on parle bien sûr de l'usine Ford à Blanquefort. Cette fois, c'est vraiment fini. Le constructeur automobile a refusé l'ultime offre de punch de rachat du site Girondin. Réaction sur ce plateau avec notre invité, le délégué CGT de l'usine, Gilles Pénel. Et puis, on vous fera également revivre un événement autour de l'innovation sociale. C'était cette semaine au Pingalan. Élus, associations et entrepreneurs étaient réunis pour discuter des solutions solidaires pour construire le monde de demain. Un événement organisé par le département que vous revivrez ce soir sur TV7. Et puis beaucoup plus léger, en fin de soirée, on va retrouver Benjamin Bardel à la foire au plaisir, la légendaire fête foraine qui a rouvert ses portes aujourd'hui sur la place des Quinconces. Et Benjamin, vous êtes déjà sur place. Exactement, je suis sur place. Ça ouvre ce soir à la foire au plaisir. Jusqu'au 24 mars, 150 attractions, des nouveautés. On va même aller à la rencontre d'un forain qui est en train d'installer son manège. Et le monde est là, compte tenu du temps magnifique qui s'annonce. Il y aura énormément de monde pendant un mois. Merci beaucoup Benjamin Bardel. On vous retrouve donc tout à l'heure dans Society. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Après que Ford ait annoncé son intention de fermer son usine à Blanquefort, le constructeur américain a refusé le second plan de reprise proposé par l'industriel belge Punch. Réaction unanime des élus du territoire que vous entendrez dans ce journal. Les manifestations des Gilets jaunes ne faiblissent pas, en tout cas à Bordeaux. Chaque samedi, près de 5000 personnes défilent dans les rues du centre-ville. Qu'en est-il sur les ronds-points? Le point de départ de cette mobilisation? Réponse dans un instant. Et puis, c'est un jeu pour remplacer le paintball qui rencontre de plus en plus de succès. On vous fait découvrir dans ce journal l'Archery Bump, une activité sportive et surtout ludique à tester pendant les vacances. La météo et le soleil toujours au beau fixe pour ce week-end. On va pouvoir en profiter demain. Il va briller sur toute la Gironde avec des températures très agréables pour un mois de février, entre 15 et 19 degrés au meilleur de la journée. Ford Blanquefort, cette fois c'est vraiment fini. Le constructeur automobile a refusé l'ultime offre de punch de rachat du site Girondin. Colère, dégoût, irresponsabilité. Tous les élus sont unanimes pour exprimer leur déception vis-à-vis de l'attitude de Ford. Réaction recueillie aujourd'hui par Franck Porro. Inhumain, insupportable, méprisant, les qualificatifs ne manquent pas dans la bouche des élus locaux pour exprimer leur colère face à la décision de Ford de ne pas donner suite au projet de reprise de l'usine de Blanquefort par le groupe franco-belge Punch. Pour la maire de Blanquefort, cette décision n'est pas une surprise. Ford avait déjà refusé par deux fois une offre de reprise par le même groupe. Cette troisième offre formulée en début de semaine était plus fragile que les précédentes. Pour Véronique Ferreira, Ford n'a jamais eu l'intention de céder son usine. La multinationale n'a jamais joué le jeu, selon elle. Il y a quand même pas mal de propositions qui leur ont été faites de la part de Punch, et on a vu le manque de facilitation de leur part quand il s'agissait de passer des renseignements, quand il s'agissait de passer des dossiers, quand il s'agissait de travailler sur des brevets. Ils étaient aux abonnés absents. Et je me permets aussi de rappeler que la direction de Ford Europe n'a pas mis les pieds à Bordeaux depuis un an. Pour quelqu'un qui, soi-disant, a la volonté de travailler une reprise, je suis quand même un peu étonnée. Le président du conseil départemental, quant à lui, dénonce un comportement de mépris de la part de la multinationale à l'égard des salariés et des territoires. L'idée que l'usine de Blanquefort puisse laisser la place à une friche industrielle prochainement est juste intolérable pour Jean-Luc Glaise. Sur la reprise Punch, on a senti assez rapidement effectivement que Ford ne souhaitait pas aller très loin visiblement, et quoi qu'il en soit, a pris sa décision. Pour nous, c'est une forme de délinquance en col blanc qui s'est exprimée cette fois-ci et qui démontre effectivement que nous ne pouvons pas avoir confiance dans ces groupes lorsqu'ils ont envie de délocaliser et de faire en sorte que l'activité industrielle cesse dans un pays. Les départements souhaitent récupérer les 1,2 million d'euros de subventions qu'il a données à Ford ces dernières années. Un contentieux juridique sur le sujet est en cours entre la collectivité départementale et le constructeur automobile américain. De son côté, la région regrette elle aussi cette décision. Elle souhaite s'investir pleinement dans la revitalisation, la réindustrialisation de la future ex-usine de Ford à Blanquefort. Pour Alain Rousset, cette décision du constructeur automobile américain n'est là aussi pas une surprise. Ford est, pardon de le dire aussi brutalement, mais Ford est trop content de s'en aller. Enfin, c'est tellement... Voilà, Ford est content de s'en aller. C'est
insupportable à formuler, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ne soyons pas naïfs à l'égard de grands groupes comme ceux-là, qui se comportent parfois en chacal. Alain Rousset, tout comme Alain Juppé, le maire de Bordeaux, souhaite que Ford prenne enfin ses responsabilités en finançant un véritable plan de revitalisation du site. Tous deux souhaitent aussi une évolution de la législation. En n'étant pas assez contraignante, elle permet trop facilement à un groupe industriel d'écarter tout projet de reprise. La prochaine étape pour les 870 salariés de l'usine Ford de Blanquefort sera d'attendre l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi du constructeur automobile par les autorités de l'État. Voilà, et puis cette fermeture de Ford Blanquefort, on en parle avec notre invité dans un instant sur ce plateau, Gilles Pénel, délégué syndical à la CGT à Ford Blanquefort. Ouvert pour répondre à la crise des gilets jaunes, les cahiers de doléances sont désormais fermés. Ils ont été récoltés ce vendredi à la préfecture de la Gironde, près de 200 cahiers remplis de remarques et de propositions variées qui vont maintenant être numérisés et transmis au gouvernement. Les thèmes sont ceux du grand débat, la fiscalité, la transition écologique, la démocratie et l'expression, voilà, et puis les services sur le territoire. Maintenant, avant d'avoir une vision de ce qu'il y a dans les cahiers, il faut véritablement les traiter. Évidemment, ensuite, il y a un traitement par ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les photocopies qu'on envoie, elles seront traitées, mises sous format Word, analysé par de l'intelligence artificielle pour sortir les thématiques et regrouper par thème, parce qu'autrement c'est un travail colossal. Les manifestations des Gilets jaunes qui ne faiblissent pas, en tout cas à Bordeaux, chaque samedi près de 5000 personnes défilent dans les rues du centre-ville et ça devrait continuer demain avec l'acte 15 qui réunit déjà plusieurs milliers de personnes sur les réseaux sociaux et on en parle moins. On les voit peut-être moins, mais les ronds-points n'ont pas tous disparu. Certains résistent, comme ici à Saint-André-de-Cubzac. Ils ne sont qu'une poignée à se relayer dans la journée, mais tous se retrouvent le soir en assemblée générale, un peu plus organisée, mais toujours aussi déterminée, 3 mois après le début du mouvement. Dominique Parmentier. Il n'y a pas beaucoup de gilets jaunes ce vendredi matin sur le rond-point de Saint-André-de-Cubzac. Mais Patricia, elle, est là, comme tous les jours. La journée, nous, sur les ronds-points, c'est beaucoup les retraités. Et après, dans la soirée, c'est les jeunes qui arrivent parce qu'ils ont fait leur journée. On fait des assemblées, voilà. On écoute quand même ce qu'on nous dit, qu'il faut qu'on se structure, donc on se structure. Mais il n'est pas question de se laisser faire, quoi. C'est pas parce qu'on sera structuré qu'on va baisser la garde. Gilet jaune historique, Patricia continue de se battre, dit-elle, pour le pouvoir d'achat. Parce que j'estime qu'on doit pouvoir vivre dignement de son travail. Les gens travaillent et ne vivent pas dignement de leur boulot. On se lève le matin, on a la boule au ventre et en fin de mois, on n'arrive pas à joindre les deux bouts pour beaucoup de personnes. Donc on est là pour ça. Les réponses du gouvernement et encore moins le grand débat ne l'ont convaincu. Le débat, c'est de l'enfumage. Vous voyez, on s'enfume nous sur nos ronds-points et il nous enfume autant, sinon plus. Hein. Il sait de quoi il veut qu'on parle et il ne faut pas parler d'autre chose. Donc qu'est-ce que ça va donner au bout du compte que ce qu'il voudra bien en retirer, lui? Alors elle se dit prête à continuer, comme Charlie, qui témoigne anonymement. Parce que je suis fiché, j'ai fait péage gratuit, j'ai fini en garde à vue et je suis passé au tribunal au mois de février. J'ai eu 750 € d'amende avec sursis pour 5 ans. Ça vous empêche pas de continuer ? Ça m'empêche pas de continuer. Comme Patricia, il demande une augmentation des retraites et des salaires, une baisse des prix et des taxes et aussi le rétablissement de l'ISF. Mais sans vraiment y croire. Moi, je suis prêt pour faire une révolution. En attendant, comme chaque samedi, ils seront une trentaine de Saint-André-de-Cubzac à manifester à Bordeaux, ne se sentant responsables ni des casseurs, ni des extrémistes, ni des conséquences sur les commerces. Quand on vous dit qu'il faut arrêter les manifs pour ne pas donner prise aux casseurs. Et pas donner prise aux casseurs, vous savez, moi je ne les soutiens pas, hein, mais je me dis des fois que, insidieusement, tous les gens se disent on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. Mais on peut aussi casser des œufs. Sans faire d'omelette. Voilà, et le désarroi à Artigues, près Bordeaux, petite commune de près de 8000 habitants. 2 jours après la mobilisation contre l'antisémitisme, des tags antisémites ont été découverts sur des panneaux de signalisation et un abribus à l'entrée de la commune. Des croix gammées dessinées à l'envers et la mention « mort aux juifs ». Les tags ont été rapidement effacés par les services de la mairie après l'intervention de la police scientifique. La mairie d'Artigues, près Bordeaux, le consistoire israélite de Bordeaux ainsi que le propriétaire du panneau publicitaire ont décidé de porter plainte.
Officiel, les travaux de désamiantage du signal, l'immeuble emblématique de l'érosion côtière de Soulac-sur-Mer, vont démarrer ce lundi. L'objectif est de se prémunir d'une catastrophe écologique en cas d'effondrement du bâtiment. Le coût des travaux est évalué à 1 million d'euros et sera intégralement financé par l'État. Du nouveau pour la rentrée prochaine, en Nouvelle-Aquitaine, la région a annoncé qu'elle allait prendre en charge les frais liés aux équipements professionnels et aux manuels scolaires des lycéens, un moyen de redonner du pouvoir d'achat aux familles, une mesure qui coûtera à terme 27 millions d'euros au Conseil régional. C'est une mesure d'égalité, qui est à la fois sociale, tout le monde va pouvoir avoir accès gratuitement au manuel, c'est une vieille revendication des fédérations de parents d'élèves, notamment de la FCPE, à laquelle nous accédons. Donc c'est évidemment une mesure sociale et évidemment aussi pédagogique, parce que l'outil lui-même est en train d'évoluer. Le manuel est à la fois manuel papier, mais il permettra par des systèmes de QR code d'accéder à des ressources numériques offertes par ailleurs par les éditeurs. Et le football avec la 26e journée de Ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux qui se déplacent à Nantes ce dimanche, rencontre à couteau tiré, les deux équipes étant au coude à coude au classement. Il faut dire que les Canaris sont à 5 points derrière les Bordelais. On voit toutes les équipes un peu dans cette... Là, ça va être compliqué jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir de la pression, il faut assurer son maintien, il faut pour certaines équipes assurer la Coupe d'Europe et tout ça. Donc tout va être serré dans tous les sens du terme. Donc il faut être prudent, il faut être ambitieux aussi, il faut être ambitieux, mais il faut faire attention, ça peut aller très vite. Là, on est dans une deuxième partie où c'est complètement différent et on a des passages dans le match où on est très très bien. Il y a des très belles choses de fait, il ne faut pas tout critiquer non plus. Il y a des choses moins bien. Et c'est sur ces choses moins bien qu'il faut vraiment insister sur des petits détails. C'est des détails parce que c'est une question de confiance, c'est une question d'avoir confiance dans son jeu, d'avoir confiance dans sa technique. Et puis ça, on passera ça. Je veux dire. Mais il faut enchaîner sur une série. Voilà, Nantes-Bordeaux pour la 26e journée de Ligue 1. C'est donc ce dimanche. Et puis une idée d'activité originale pendant ces vacances. L'archery bump fait peu à peu son apparition dans les salles de sport. C'est une nouvelle discipline pour s'affronter en équipe avec des arcs et des flèches. Présentation avec Christophe Chavanneau. Éliminer ses adversaires à coups de flèche, voilà la nouvelle activité sportive et récréative pour qui veut se prendre pour Robin des Bois ou encore Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. À la croisée du ballon prisonnier et du paintball, l'archery bump, tout droit venu des États-Unis, envahit peu à peu les salles de sport et terrains de jeu. Tout le monde peut penser que c'est technique, mais quand même, ça reste assez simple. C'est quand même beaucoup plus simple que des arcs traditionnels. Voilà, en fait, c'est des arcs, on a juste à mettre une flèche sur une corde et à tirer, à pencher un peu. Alors effectivement, les 3-4 premières minutes, on s'adapte au mouvement, mais ça prend très très vite. Même les plus jeunes, en 4-5 minutes, ils perfectionnent le geste et après c'est nickel. Et après, c'est des parties en diabé. Donc c'est vraiment simple et en plus, l'avantage, c'est que ça fait pas mal. C'est pas comme au paintball, on peut avoir des traces. Là, c'est vraiment des embouts en mousse au niveau des flèches, ce qui permet de sentir forcément la flèche qui se touche, mais on n'a vraiment pas de douleur et en plus, on a des masque de protection au niveau de la tête pour assurer au niveau de la tête. Donc c'est vraiment sans douleur et c'est fun. Les parties sont rapides et intenses et les joueurs qui découvrent ce jeu sont vite pris par l'adrénaline. Ah bien sympa, plus facile à prendre en main que prévu au final. Après 3 contre 4, pas évident. Puis le fait qu'on peut s'amuser facilement sans se blesser et qu'on développe très vite des petites stratégies intéressantes. Et donc ça c'est cool, ça c'est très très cool. C'est chaud, ça devrait être en plein air, ça mériterait. Mais c'est vraiment chouette. Accessible dès l'âge de 7 ans, il y a de quoi vite replonger dans nos jeux de cow-boys et indiens. Voilà pour l'archery bump. On se retrouve juste après la pause sur TV7 pour parler de Ford Blancfort. Le groupe américain automobile a refusé l'ultime offre de punch de rachat du site Girondin. Réaction de Gilles Pénel dans un instant. Il est délégué syndical CGT à l'usine Ford de Blancfort. Il sera sur notre plateau dans un instant. À tout de suite.